placez vous, placez vous, hein. Alors, il va falloir que vous jouez. Vous voyez, c'est ça qui vous caractérise. Vous êtes désobéissant. Vous ne faites jamais ce qu'on vous dit de faire. Et bien, c'est ça, la bonne attitude. Vous devez continuer à le faire, pas avec moi. Mais vous devez continuer à désobéir. Vous devez continuer à avoir un sens moral qui vous honore. Un sens moral qui fait votre grandeur. Alors, vous m'avez applaudi. Mais je voudrais effectivement, avant de continuer mes mots, que nous fassions quelque chose ensemble. Quelque chose d'important, de très important et de vital, qui en ces temps est vraiment nécessaire. Que vous vous applaudissiez, à tout rompre. Je veux effectivement vraiment voir sur cette place votre grandeur, votre beauté d'âme, votre courage. Les vrais héros, ils sont là devant moi, ils sont là derrière moi, c'est vous. Vous êtes le peuple de France, vous êtes effectivement la grandeur de ce pays. Vous êtes vraiment la grandeur de ce monde. Et ce que je voulais vous dire, c'est deux choses. La première, ne vous y trompez pas, ne nous laissons pas faire. Nous sommes en train d'entrer dans une société de discrimination. La discrimination va devenir la règle, la séparation, le séparatisme va devenir la règle. Car quelle sera la prochaine étape ? La prochaine étape sera de nous barricader pour éviter le risque de la délinquance. Elle est où la France black blanc beurre qu'on nous vante depuis des années? Elle a cédé devant la première épidémie. Avez-vous vu ce qui se passe en Israël? Israël, premier pays vacciné au monde, désormais un pass sanitaire à partir de 3 ans. 3 ans! Ayons tous conscience d'une chose. Ayons tous conscience d'une chose. C'est que si nous ne les arrêtons pas, ils ne s'arrêteront pas. La seule possibilité pour qu'ils s'arrêtent, c'est que vous les arrêtiez, que nous les arrêtions, que ce soit bien clair. Ils vont continuer encore et encore. Tout ça n'a plus rien de scientifique. Et on nous dit régulièrement mais que nous sommes minoritaires. Nous sommes une toute petite minoritaire et on nous prend avec dédain. Mais alors, posons-nous la question suivante. Si nous sommes minoritaires, pourquoi cherche-t-on autant à nous faire taire? Pourquoi? Si nous ne représentons rien ni personne, pourquoi leur fait-on peur à ce point? De quoi ont-ils peur? Je vais vous dire ce que nous sommes. Nous sommes les Jiminy Cricket de Pinocchio. Nous sommes la voix de la conscience face à des menteurs. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes la conscience. Je voudrais vraiment saluer encore une fois, encore et encore le courage de chacun d'entre vous. Des solutions sont en train d'être mises en place. Nous y réfléchissons avec nos équipes, nous y réfléchissons avec Florian. C'est pas évident parce que tout le monde a été pris de court. Mais soyez assurés d'une chose, c'est la détermination de chacun d'entre nous pour que tout ceci cesse. Soyez sûrs d'une chose, c'est que peut-être qu'Emmanuel Macron a gagné une course de vitesse, mais que nous gagnerons la course d'endurance.